Bon, c'est une grande nouvelle, la nouvelle qui accordait au Maroc, à l'Espagne, au Portugal d'organiser le championnat mondial de football. C'est une nouvelle qui avait été travaillée, avait été encouragée, avait été engagée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que depuis quelques années, il a tout fait pour que le Maroc soit désigné le pays hôte de cette Coupe mondiale, et à laquelle s'étant associé l'Espagne et le Portugal, deux pays amis, deux pays voisins du Maroc. Ce trio de la région sud de l'Europe avec le pays du nord de l'Afrique montre la vision stratégique qu'on a des trois diplomaties. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal veulent commencer à avoir une relation plus renforcée et démontrer qu'on peut faire les choses ensemble, qu'il y a des défis qu'il faut le faire ensemble. Et cette trait d'union entre l'Europe et l'Afrique est fait par la péninsule ibérique et par le Maroc. Et je crois que c'est le message fort de cette annonce et de ce grand événement et cette bonne nouvelle de recevoir la Coupe du Monde en Espagne, au Portugal et au Maroc. Très bien.